est vraiment chanceux avec la campagne Santé-Golfé. On a des magnifiques terrains sur la carte Santé-Golfé. Puis un de mes endroits préférés, c'est le club de golf de Cowansville. J'appelle ça un Players Club. Ça sent le golf quand t'arrives ici. Puis je suis bien content de venir jouer à une coupe de trous ici aujourd'hui avec le directeur du golf, Victor Grondin. Victor, salut. Bonjour, ça va bien? Ça va. Merci de prendre du temps pour jouer avec nous autres. Ça me fait plaisir. Je disais que c'est un Players Course. C'est vraiment ça. Ça sent le golf quand t'arrives à Cowansville. Ouais, exact. Moi, c'est ma première année ici. Puis j'étais arrivé, puis il y a des golfeurs, puis le terrain là, dans l'arrière, c'est une bonne track, mais de toutes les tees aussi, fait qu'ils s'adaptent à n'importe quel niveau de golfeur. Ouais, puis ce qui est cool, c'est que vous l'avez vécu aussi, l'arrivage de cette nouvelle tranche de golfeurs, les 20-40, ça a l'air que c'est fou raide ici. Ouais, exact. On est booké de 7h le matin jusqu'à 5h le soir non-stop, puis c'est fou, l'engouement pour le gars qui est là cette année. Là, on est au 10e pour une première drive, pour un gars qui peut l'échapper à droite, parfait ça? C'est ça, exactement. On veut éviter la gauche ici, fait que c'est le coup, c'est vers la droite. Si je te laisse commencer, je vais aller chercher mon driver. All right. En train d'entrer les scores de la partie en fait sur l'application Golf Canada. Puis quand on se promène avec la carte Santé Golfé, c'est une affaire que j'aime beaucoup faire parce que cette application-là, d'un, il y a plein de choses avec le membership de Golf Canada, l'assurance pour les maisons alentour du club, si jamais tu casses une vitre, si jamais tu perds tes bâtons, quelque chose. Mais l'application pour le GPS, savoir t'en es où, la carte de pointage, pour vrai, là, c'est mon application préférée. C'est gratuit, ça vaut la peine, allez la télécharger. Fait que débute une ronde, Eagle, non, par. Bienvenue au petit cours d'histoire sur les arbres de Cowansville, Victor. Ça, c'est le logo du club? Ouais, exact. Mais en fait, moi, c'est ma première année ici, mais je n'ai pas entendu parler de cette année, mais on m'a toujours dit que c'était le logo du club, ça, cet arbre-là. Okay. Puis, quand je suis arrivé ici, effectivement, j'ai regardé le logo du club, puis je me suis dit, ça se ressemble drôlement, cet arbre-là, en fait. Là. C'est vrai, mais c'est un beau terrain boisé. C'est le fun, pour vrai, là. Ouais, puis le 11, c'est vraiment un beau trou de golf. Là, ouais, on va le voir justement là. Par 5, on pourra se lancer. 4. 1, 2, 3, 4. Le tir en avant. Moi, je ferai pas loin de même là. Wow! Hey! Le plaisir, ça. Moins 1 après 2, d'après moi, je suis dans le mix pour le tournoi. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de tournoi, mais ça, c'est dans ma tête. C'est tout un pot, ça? Ouais, en fait, ici à Cowansville, là, si t'as jamais joué, c'est sûr que tu peux pas jouer le 12 sans poter du début du green vers une pin bleue qui est... Pour vivre l'expérience au complet. C'est ça, tu veux la vivre pour de vrai. Là. OK. Voilà. Si je la mets dedans, on fait tirer 5 cartes sortez golfé. Gratis. On est donc. Passer à ça d'avoir des cartes. Ça sera pour une prochaine fois. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ce qui se passe dans le golf au Québec présentement pour plein de raisons. Parce qu'il y a plein de nouveaux jeunes pros. Parce qu'il y a plein de nouveaux jeunes golfeurs. Là, Vic, tu dois quitter, il faut que tu ailles voir la clinique des femmes, voir si ça se passe bien. Exactement, ouais, c'est ça. Nous, on a une clinique des femmes qui se donne chaque mardi puis jeudi avec nos deux professionnels enseignants. Puis c'est pratiquement. Il y a plein de débutantes qui viennent. Puis ils ont commencé ça il y a quelques années. Il y en avait une journée. Puis on est obligé, à cause de la demande, on fournit même pas à deux journées cette année depuis l'année passée. Puis cette année avec la COVID. Fait que c'est fou l'intérêt qu'on a pour ça. Là. C'est vraiment très cool. Puis tu sais, il y a une belle nouvelle génération de professionnels. Puis je suis curieux de savoir ta philosophie à propos du golf en 2021. Tu vois le sport, tu vois la game comment? Il faut que ça soit le fun, premièrement. T'sais, si on veut attirer le monde, il faut que ça soit le fun. Puis c'est un sport qui est tellement le fun, justement. Fait que faut le rendre utile, puis il faut le rendre agréable aussi. Puis si il y a un jeune qui n'a pas nécessairement les moyens ou qui ne sait pas s'il veut aller jouer au golf, allez le porter à votre terrain de golf. Puis nous, on va l'aider. On va,
on va y trouver des bâtons. Il faut que les jeunes jouent. Puis justement, j'avais une discussion avec notre directeur général ici la semaine passée. On voyait un putting green rempli de gens en bas de 40 ans. Puis on se disait, c'est tellement beau à voir depuis la COVID. On est en train de l'avoir parce que il y a 5-6 ans, il y avait la golf vieillissait, puis il restait stable. Ouais. Fait que là, la COVID, c'est un point positif pour le golf. Ouais. Veux pas, ça a été négatif dans bien des aspects, mais ça a aidé la business du golf. Puis on espère que ça va rester là, après ça en 2022 et plus tard. Pour vrai, c'est un autre terrain sur lequel, mettons, je m'en veux de pas être venu jouer plus souvent. Je passe beaucoup de temps dans les cantons de l'Est, pas si loin que ça de Montréal. Puis je me rappelle la dernière fois que j'ai joué à Cowansville, j'en ai parlé pendant 2 semaines, j'ai dit à tout le monde, faut que t'es à Cowansville, c'est un des plus beaux dans la région, puis je suis même prêt à dire que c'est un des plus beaux au Québec. C'est vraiment cool, le par 5 ici est magnifique, il y a vraiment des beaux trous de golf. Pour vrai, je vous le conseille, si vous avez 10 games sur la carte sortez golfer, pour pas faire de favoritisme, mais vous en choisissez sur une liste de 23, mettez Cowansville dedans, pour vrai. On l'a joué à l'envers, on a commencé sur le 10, donc on va terminer sur le 9. Dernier coup de départ de la journée, vraiment, j'ai adoré ma journée à Cowansville. C'est tellement un beau club de golf, je vous invite à venir le visiter. Fait que là, dog leg à droite, faut passer par-dessus les arbres, t'ouvres les mains, garde tes yeux sur la balle, garde ta tête sur la balle, bouge pas trop, pousse sa jambe dans la main, pis c'est ça. Hey, belle game, merci Vic. Hey, merci beaucoup, c'était vraiment le fun. On a eu une super belle journée. C'est beau chez vous. Merci. Pour vrai, puis je sais que c'est ta première année, puis ça fait quelques mois que tu es ici, mais j'ai comme l'impression que tu te vois comme pour plusieurs années dans un environnement comme celui-là. Ouais, exact. J'ai une passion pour ce que je fais, puis on a une belle place avec des membres le fun, puis des visiteurs le fun aussi. Fait que c'est vraiment le fun. Puis là, l'invitation est lancée. Peu importe où vous êtes au Québec, si vous avez la carte Santé Golfée, si vous n'avez pas la carte Santé Golfée, si vous avez des bâtons de golf chez vous, là, ça traîne dans le grenier, là, venez essayer le club de golf de Cowansville, je vous le dis, vous allez adorer, c'est tellement beau. Puis, tu sais, c'est une histoire, moi je l'ai toujours dit, là, c'est jouer le bon terme de départ pour avoir le maximum de fun dans la partie de terrain. Ouais, exact. Puis nous, on a un board là, qui nous explique ça sur le premier départ, là, selon les handicaps, selon combien tu la frappes, tu sais. Ça donne rien de jouer des noirs si t'es pour jouer 120, tu sais. Va jouer des rouges si t'as besoin, des oranges si t'as besoin, puis y a du plaisir, c'est ça le golf, c'est ça qu'on veut. Ouais, tu sais, le tee des femmes, ça existe plus, là. C'est le tee d'en avant, après ça, puis c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, puis c'est le fun d'avoir l'ouverture ici aussi pour les femmes, pour les juniors, pour tout. Ouais. Fait que bravo pour ça. Fait que merci au club de golf de Cowansville, Luc Labbé, Victor, toute l'équipe de nous avoir reçus aujourd'hui. C'est vraiment un environnement incroyable. C'est sur la carte Sortez Golfer, fait que je vous invite à venir le visiter. Club de golf de Cowansville. Salut tout le monde.